Me llamo Souley, tengo 37 años de edad exactamente cumplidos. Soy de origen latina del país de Perú. Soy una chica transexual que trabaja en el Bosque de Bolonia, aquí en París, como trabajadora sexual. Bueno, todos los días yo tomo el metro para yo poder realizar mi circulación de donde yo vivo hasta yo donde trabajo. Una chica transexual como yo tiene que irse al Bosque de Bolonia, que es la única manera de poder sobrevivir, para que te lleves un pan a la boca o para que puedas comprarte un par de zapatos para poder caminar y todas esas cosas. Se pasan muchas cosas dentro de ese ángulo del bosque. Hay muchos cientos de chicas que uno sufre muchas cosas, sufre violencias, agresiones físicas, verbales, de parte de los clientes. Es una realidad oscura que quizá más adelante podría ayudarnos las autoridades de este país. Souley était styliste au Pérou. Diagnostiquée séropositive, elle ne parvenait plus à payer son traitement. Arrivée il y a un an en France pour bénéficier du système de soins, elle s'est retrouvée au bois, faute de mieux. L'expérience lui a appris que le secteur est dangereux, surtout la nuit. Bueno, esto es mi gas de pimienta para protegerme. Lo tengo en mano, junto a mi bolsa. Selon Médecins du Monde, en un an, le nombre de prostituées victimes de violences a plus que doublé. Au bois de Boulogne, 80% des travailleuses sont transsexuelles. À quelques pas d'ici, Vanessa, chilienne, s'apprête à quitter son poste. Prostituée depuis 20 ans, elle refuse de travailler après 22 heures. Trop dangereux. Es lo único que me puede proteger acá. Si no tengo esto, la bomba de gas, mi vida se finit. Pourquoi? Porque los agresores vienen con cuchillo. En juin, une Bulgare d'une cinquantaine d'années a été retrouvée gisant au sol, dans le silence national. Elle a succombé à 7 coups de couteau dans le dos. Difficile de savoir combien meurent des violences au bois. Les disparitions ne sont pas toujours signalées et les appels à la police se font rares. Vanessa, elle, a arrêté d'appeler à l'aide. No todos, no estoy generalizando a todos, pero hay algunos policías que nos toman como objeto de burla. Se ríen entre ellos, me tratan de misiu. Cuando nos agarra la policía, nos hace desnudar, nos hace ver nuestras partes, entonces, y te tratan como hombre. Y si tú le reclamas algo, le dices, señor, usted me ve como una mujer, trate como una madame, yo soy una transexual. Y ellos dicen, no, que en tu documento está de hombre. Para evitar ese mal gusto, prefiero no ir. Por eso me siento vulnerable, me siento mal, porque no sé a quién voy a pedir ayuda. Soy una persona humana, yo sé que soy una transexual, hago la prostitución, pero yo no estoy matando, no robo, no hago daño a nadie. Yo vendo mi cuerpo, alquilo mi cuerpo, pero eso no está penado acá en la Francia, que yo sepa la ley. Depuis 2016, le délit de racolage n'existe plus, mais les clients sont désormais passibles d'une amende de 1 500 €. Une loi qui conduit à plus de clandestinité et donc à s'exposer davantage au danger. Un mois après le meurtre de la Bulgare, nous retrouvons quelques filles du bois, mais au grand jour cette fois. Car l'heure est à la protestation. Monica Leone est une activiste transsexuelle argentine. Installée en France depuis 13 ans, elle souhaite que la lumière soit faite sur la violence et les assassinats de ses consoeurs. S'il vous plaît. Elle veut motiver ces femmes afin d'organiser une manifestation au pied de l'Assemblée nationale. Une première étape seulement pour celles qui visent bien plus haut. Tous les crimes qui se sont commis ici au bois de Boulogne, ils doivent arriver à Nations Unies. Pas seulement à la commissariat et aux tribunaux français. Non. Il faut arriver à Nations Unies, parce que les crimes sont très graves. Équateur, c'est qui vient de l'Équateur? Pancarte à la main, les filles dévoilent leur pays d'origine et sont invitées à libérer la parole. Souley ne veut plus se taire. No, pero imagínate, si la agresión hubiera sido grande, hubiera sido grande el cuchillo, entonces al día de hoy estaría muerta prácticamente. Porque no, ¿y el hombre cómo es? No, ahorita el hombre está en prisión. 4 mois à peine après son arrivée en France, Souley a été agressée par un client après un acte sexuel. Je ne pouvais pas penser que cette personne me pouvait agredir parce qu'elle était une personne tranquillissime et à part de tranquille, respectueuse. Je me suis acerqué à despedirme parce qu'il était un chico gentil, à darle un beso en la mejilla de despedida. Y en eso él me agarró contra su cuerpo con su mano, claro, con su mano derecha y con la mano izquierda es la que me apuñaló, así. Así. En moins de 30 secondes, Souley reçoit 8 coups de couteau. Son agresseur, lui, ne prononcera pas un mot. Ses cicatrices, elle a décidé de ne plus les cacher. Je veux que toute cette situation se lleve à un contexte politique pour que toutes les chicas qui travaillons ici en le Bosque de Bolonia tengamos protection contre l'agression physique, morale de los clientes. Je veux que toutes les chicas también, quand elles sont agredidas, también acudan hablen, se manifiesten, vayan, denuncien, no sé. Y para eso hay asociaciones que apoyan, que ayudan y todo esto, para que en realidad necesitamos apoyo, no nos apoya nadie. Au bois, les associations sont nombreuses à effectuer des maraudes. Allez, viendez ma bande. L'une d'elles, Magdalena, nous a laissé l'accompagner dans ses tournées du cœur. J'espère qu'on va rencontrer Carrie. À la tête de cette association catholique, un prêtre pour le moins atypique. Celui que l'on surnomme le padré œuvre auprès des prostituées depuis plus de 20 ans. On a commencé à pied, après avec une petite 4L où on mettait les thermos dedans pour leur offrir un café, un chocolat. Et puis en fait, l'idée c'est de passer un moment avec elles, d'être à leur écoute, d'être à leur disposition, quoi. Qu'elle découvre qu'il y a l'amitié qui est possible au-delà du fait de vendre son corps et gagner de l'argent. Qu'on n'y va pas pour leur dire c'est pas bien ce que vous faites, je suis prête mais je suis pas là pour leur faire la leçon ou leur faire la morale. Et un thé pour le 5. Ça va toi? Ça va. Tu tiens le coup? Tranquille, ouais. Très calme, que tout le monde est vacances, zéro personne, et ainsi tout, juste sentado à la balade. Tu veux un petit morceau de cake? Ici, les bénévoles offrent du gâteau ou du café, mais pas seulement. Alors, on distribue des préservatifs, tu vois, du gel, bien entendu. On prend aussi le temps d'orienter. Aide à la régularisation, lieu de dépistage, cours de français gratuit. Mais bien souvent, c'est la dure vie du bois, les menaces, les vols, qui reprennent leurs droits. La copine, qu'est-ce qu'elle fait si après elle vient comme le coton? Donc elle a tout donné. Le type lui a piqué son argent, il a pris son argent. Oui, c'est ça. Et toi, tu t'es fait agresser, toi aussi? Oui. Oui. Nous lui demandons le prix, ils vont à pipi, bon, on y va. Après qu'on entre au bois, des gens qui viennent avec couteau, ils disent sous sin capota, fais l'amour sin capota. C'est vrai. Et si pas on le fait, elle vient te trapper, te fait avec le couteau. C'est vrai. Il y a moins d'un an, le père Jean-Philippe a décidé d'ouvrir une maison d'accueil et de réinsertion en banlieue parisienne. Objectif, former à d'autres métiers pour celles qui veulent sortir de la prostitution. Aujourd'hui, une transsexuelle vient demander de l'aide pour une amie. Je vais faire une chose, je vais te donner mon numéro de téléphone. Par contre, si elle est alcoolique, on lui demande de faire une désintoxication avant de venir à la maison. Ouais. Pas de drogue, pas d'alcool. Et dans ce dédale de 846 hectares, l'activiste Monica Léone n'est jamais très loin. Salut Monica. Salut Monica. Oui. Elle vient d'apprendre que sa manifestation a été acceptée par la préfecture. Ah, pour qu'ils enlèvent la loi du... Non. Pour moi, je crois qu'il faut faire une nouvelle loi pour nous qui nous sommes en situation clandestine. Oui, c'est ça. Son objectif, légaliser et réglementer la prostitution pour empêcher les violences et le trafic d'êtres humains. Pour Giovanna Rincon, qui fut prostituée pendant 20 ans, la criminalisation du métier a eu un impact majeur, depuis le délit de racolage réinstauré en 2003, avant de disparaître et d'être remplacé par la pénalisation du client. Selon elle, tant que les transgenres étrangères seront tenues éloignées de l'accès à l'éducation, la formation ou le logement, la seule solution est la régularisation. Bien que toutes les personnes transgenres ne soient pas concernées par le travail du sexe, il y en a quand même beaucoup. Si on leur enlève à cette partie des personnes les plus défavorisées face à la transphobie, le travail du sexe, bien évidemment, bah, qu'est-ce qui leur reste? C'est la mort sociale absolue et dans la différence non seulement de la société, mais aussi des institutions. Une indifférence qui touche jusqu'aux premières concernées. Nous retrouvons Monica Léon le jour de sa manifestation tant attendue. Mais l'activiste est bien seule. Sur 310 prostituées invitées, seule une dizaine a répondu à l'appel. Après avoir déposé 365 bougies au sol, comme autant de jours travaillés chaque année, un hommage est rendu aux victimes des meurtres au bois. Le premier grito en esta reunión es justicia por la joven rumana de 22 años quemada viva con ácido y su cuerpo arrojado en el lago de Port Dufin. Antonella, ecuatoriana, Claudia Paulina de Brasil. Des violences qui viennent s'ajouter à une difficulté à gagner de l'argent. La baisse des clients, disent ces femmes, c'est autant d'estomacs vides. Alors il s'agit de faire du bruit pour attirer l'attention. Mais là encore, hormis quelques regards intrigués ou gênés, l'intérêt n'est pas manifeste. Qu'importe, même isolée, Monica Leone est bien décidée à porter son combat devant les députés et, si possible, jusqu'aux Nations Unies.